gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu. Nous entamons un chapitre de notre programme cette semaine et nous parlerons toujours de l'étoile. We'll keep on speaking about the stars. Mais là, nous parlerons des pieds. But we are going to talk about the feet. Nous parlerons des pieds dans Jean chapitre 13. In John 13. Là où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Where Jesus washed the feet of his disciples. Il y a quelque chose qui m'intéressait, c'est que Pierre lui a dit, comme tu insistes pour me laver les pieds, lave-moi aussi la tête et les mains. Wash my feet, my Parce que head. Nous avons expliqué à l'église, we explained to the church, lorsqu'on parle du mystère des étoiles, when we talk about the ministry of stars, il y a l'étoile sur le front, there's a star on the forehead, il y a l'étoile sur les mains, and on the head, il y a l'étoile même sur les pieds. The star on the feet too. Dans le règne spirituel, in the spiritual realm, les pieds, la tête est le symbole de la destinée, de la réflexion. Head is symbol of destiny and reflection. Lorsqu'on parle de la tête, when we talk about the head, on parle de là où il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le nez. All the places where I found it, il y a le cerveau. The brain. Dans le règne spirituel. In the spiritual realm. Si on lave la tête, if you wash the head, ça dit qu'on te prépare à réfléchir, it means we prepare you to reflect, pour entreprendre, to interpret, et réussir. And succeed. Les mains dans le règne spirituel, hand in the spiritual realm, symbolisent ta capacité de production. Symbolise the ability of production. C'est pour ça qu'on a prêché ici il y a quelque temps de la malédiction de la main sèche et de la main percée. That's why we talk about the curse of the hands. La malédiction de la main sèche et de la main percée. The dry hand and the parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent entreprendre, mais leurs mains ne sont pas lavées. Many people can interpret by their hand and not wash. Parce que dans le règne spirituel, in the spiritual realm, on a sali, on a percé, on a séché leurs mains. They dried their hands. Alors quand Pierre dit à Jésus, lave-moi aussi les mains et la tête. When Peter say, wash my hands and my head. C'est parce qu'il sait en tant que maître père de l'église. He knows as the master of the church. C'est un symbole prophétique capital. It's a prophetic symbol. Je commence par te dire que dans le ministère, in the ministry, il y a des mystères, so I mean, yes, qui activent la guérison ou la délivrance, même la bénédiction. That activate, yes, many things. Il y a des moments où Jésus guérissait, bénissait juste en parlant. Sometimes Jesus was healing just by speaking. Il y a des jours où il faisait cela avec des actes prophétiques. Sometimes by, yes, prophetic actions. Donc quand tu sors d'une église où il n'y a pas d'acte prophétique, ne critique pas ce que tu ne connais pas. Do not criticize what you don't know. J'ai vu beaucoup de personnes parce que à l'église protestante, on ne prie pas sur l'eau. Donc si le pasteur l'a pris sur l'eau, c'est un sataniste. Écoutez-moi bien. Listen well. Il y a des actes que vous ne connaissez pas, qui ne viennent pas du diable. Yes. Arrêtez d'attribuer tout ce que vous ne connaissez pas au diable. Stop giving everything to the devil. Pour savoir si un homme de Dieu vient de Dieu, to know if a man of God is coming from va God. Prier. Go and pray. Demande à Dieu, est-ce que c'est ton serviteur? Ask God et Dieu va te parler. God will speak, yes, to you. Que de dire, non, comme je ne l'aime pas, c'est le diable. Comme know. Il n'est pas mis à mon ancien pasteur, c'est le diable.
He's the devil. Tu peux traiter un fils de Dieu, fils du diable, et tu as fait blasphème contre le Saint-Esprit. De plus en plus, on a beaucoup de gens dans les églises. Leur pasteur les a entraînés à insulter ceux qu'ils ne connaissaient pas. Ton pasteur peut être pieux, mais il n'est pas si saint que ça. Et ce n'est pas parce que ton pasteur ne connaît pas X que celui qui connaît vient du diable. Un peu d'humilité. Moins de condescendance et d'impolitesse. De plus en plus, on a ça dans l'église. We have it in the church. Des gens qui ont une capacité satanique à saboter, dénigrer ce qu'ils ne maîtrisent pas. To slander what they don't master. Ou bien parfois, ton pasteur peut seulement être jaloux. Or your pastor can be just jealous. Et l'autre a ce que lui n'a pas. The other has what he don't have. Et faites attention, hein, c'est les serviteurs du diable. Be careful, they are servants of the devil. Pour savoir si quelqu'un c'est le diable, demande à Dieu toi-même. Ask yes. to God yourself. Quand tu rencontres un homme de Dieu, va demander à Dieu toi-même. When you encounter a man, go ask to God. Dis Seigneur, say, Lord, montre-moi en vision qui est cet homme. Show me who is that man. C'est comme ça qu'on demande à Dieu. Is that what we ask to God? Le pasteur à qui tu vas aller demander, s'il est jaloux de l'autre, il va te dire, hey, fais attention, hein. If that pastor ça ne veut rien dire. Yes. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouver un esprit veut dire que tu demandes au Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins. Yes. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te dire quelle est la nature, l'origine d'un esprit. Only Holy Spirit can give you the nature of your spirit. Donc il y a des actes prophétiques prophetic actions qu'on peut poser à l'église. That we can carry in church. Ça vient de Dieu coming from God, ou de l'homme de Dieu. Or coming from the man of God. Jésus guérit quelqu'un en disant, va te laver et tu es guéri. Il guérit l'autre en crachant par terre et en mettant la boue sur ses yeux. Il guérit l'autre en parlant seulement. Just by speaking. Yes. Donc Jésus savait faire les actes prophétiques en fonction de la situation et de l'origine du problème. This is a new prophetic action according to the problem. Lorsqu'on parle donc des mains, when we talk about the c'est hands, ta capacité à produire. It's the ability to produce. Et lorsqu'on parle des pieds, when we talk about the feet, c'est ta capacité à dominer. It's your ability yes. to dominate. Et à posséder. And to possess. Yes. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne le lieu en possession. Everywhere you set yes. your feet, you take it possession. Une personne qui a les problèmes avec ses pieds, someone with a problem with feet, ne peut pas posséder ses richesses, ses bénédictions. Cannot possess his blessings. Tu peux avoir des maisons, mais quelqu'un d'autre possède tes maisons. You can have houses, but someone else possesses. Tu peux avoir une entreprise, mais quelqu'un d'autre spirituellement possède ton entreprise. Fais le bruit que tu fais là, tu vas finir par perdre l'entreprise là parce que tu n'as pas possédé l'entreprise. Tu peux être dans un mariage, mais quelqu'un d'autre possède ton mari. Tu peux accoucher des enfants, mais quelqu'un d'autre possède, contrôle, gère tes enfants. Donc fais tout ce que tu fais là. Tu payes l'école aux enfants, tu les éduques, tu les élèves, mais quand ils auront l'argent, c'est celui qui les possède et qui les contrôle qui va manger leur argent. Le plus important sur la terre n'est pas d'avoir des choses, mais c'est de posséder ces choses. Et le seul moyen que Dieu nous donne pour posséder, c'est avec les pieds. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, ton humilité ne m'intéresse pas. Je vais, avant de quitter cette terre, te laver les pieds. Je vais te laver les pieds. Écoute-moi, Église. Avant d'arriver dans la bande des pieds, lisons Ruth chapitre 1. Je parle ce soir toujours de l'étoile. I'm talking about a star. Chaque étoile, each star, chaque étoile que Dieu suscite, each star God raised, en face, le diable va créer des oppositions à l'étoile. In front, the devil will create. Quand tu es une étoile qui est née pour briller, when your star supposed to shine, le diable va faire en sorte que même si la famille avait l'argent, la galère qui commence dans la famille à partir de ta naissance est compliquée. The devil will bring misery in the family. Il y a beaucoup de personnes, le papa ou la maman avait les opportunités, l'argent, mais dès que tu es arrivé dans la famille, les problèmes ont commencé. Parce que le diable ne veut pas que ton étoile brille. J'avais expliqué ici un jour. I explained it one day. Lorsque ton étoile a des informations, when your star has informations, ces informations veulent dire simplement que voilà ce que Dieu souhaite. They mean what God wishes. Mais pour que ce que Dieu souhaite se réalise, il faut un temps de préparation. But wish God to come through them. Dans ton étoile, on peut dire mariage. They can say marriage. C'est le souhait de Dieu que tu aies un grand mariage. It's a wish of God for you. Dans ton étoile, on peut dire beaucoup d'argent. A lot of money. C'est le souhait de Dieu que tu aies beaucoup d'argent. It's a wish of God. Dans ton étoile, on peut dire homme d'affaires. Businessman. C'est le souhait de Dieu pour que, qui dit que tu sois, tu fasses beaucoup d'affaires. It's a wish of God. Mais pour que tu réussisses dans ça, but for you to succeed in it, il faut un temps de préparation. You need a preparation time. Il faut un temps
temps d'équipement. And equipment time. Beaucoup de personnes sur la terre. Many people on earth. La plupart des problèmes qui ont commencé autour de vous à partir de votre enfance. Most of problems since your childhood. Pendant que vous grandissez. When we are growing pendant up, que vous évoluez. When we are, c'est des when, combats liés à votre étoile. It's like related to la pauvreté your de vos parents. Poverty of your parents. Avec un objectif du diable. A goal of qui the ne devil. Vous paye pas l'école. Don't make pour ne pas devenir ce que Dieu a dit que vous soyez. Do not la pauvreté to be. De vos parents. The poverty of avec your parents. Un objectif du diable. Que vos parents se tournent vers les satanistes. Et que ce soit les satanistes qui vous paient l'école. Et si eux ils vous paient l'école, ils auront le pouvoir sur vos vies. Le pouvoir de décision. Il t'a payé l'école, tu as la licence. Mais comme c'est lui qui décide sur ta vie, il déclare pas de mariage, pas d'enfantement, pas de bonheur. Pourquoi? Celui qui te donne a le pouvoir sur ta vie. Celui qui donne a le pouvoir, celui qui reçoit. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Yes. En d'autres termes, une personne qui reçoit de tout le monde n'a pas de bonheur. Parce que parmi les gens qui te donnent, il y a des satanistes qui vont te contrôler. C'est la raison pour laquelle Joseph croyait que manger en Égypte n'avait pas de revers. Manger, vivre en Égypte n'avait pas le revers. Mais quand le pharaon qu'il avait aimé est mort, le prochain pharaon les a rendus esclaves. Chaque fois que le diable te donne et tu t'habitues aux données du diable, il finira par faire de toi son esclave. Donc laisse-moi te dire, lorsque le diable a appauvri tes parents, lorsque le diable a appauvri ta famille pour te faire tourner, pour te pousser à te tourner vers les satanistes, l'objectif final c'est de maudire, éteindre, paralyser et obscurcir, voiler ton étoile. Ce que le diable fait en te poussant vers le diable, c'est d'éteindre ton étoile, c'est d'arrêter ton étoile, c'est de détruire ton étoile, c'est de trafiquer ton étoile, c'est de paralyser ton étoile. Je te parle ce soir d'une fille qui s'appelle Ruth. Elle a l'étoile pour se marier, mais pas pour se marier n'importe comment. Aujourd'hui, la précipitation a poussé beaucoup de personnes dans des problèmes. Le plus important, je l'ai dit ici il y a quelques jours, si c'était se marier pour se marier, c'est que tout le monde ici est marié. Le problème de plusieurs, c'est que votre étoile n'est pas d'accord avec tout mariage qui vient, tout travail qui vient, tout argent qui vient. C'est pour ça que certains sont obligés de freiner et de poser la question à Dieu. Est-ce que c'est normal? Cette fille avait l'étoile pour se marier. Au lieu de patienter, elle allait se marier avec un homme. Elle se marie avec un homme dont le père était bizarre. Au début, tout allait bien. Au début, tout marchait bien. Mais dès qu'il y a eu la famine dans leur pays à Bethléem, le monsieur a pris ses fils. Il a pris sa femme, sa belle-fille. Ils sont allés dans le pays des Moabites. À cause de la famine, ils ont changé de pays. Et une fois dans le pays où ils sont allés, la mort a commencé à frapper. Le monsieur est mort, ses deux fils sont morts. Donc parmi lesquels, le mari de Ruth, ils sont morts. Et elle a commencé à souffrir. Ce qui est vrai, c'est que même avant la mort de son mari, elle ne vivait pas vraiment son étoile. Écoute-moi bien. Si ton étoile brille à la dimension 10, et tu vis à la dimension 3, tu ne peux jamais être heureux. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne vivent pas mais ils survivent. Beaucoup de personnes ne vivent pas mais ils existent. C'est-à-dire que tu es sur la terre mais tu ne vis pas ta vraie vie. Parce qu'en fait tu n'as pas attendu que ton étoile brille pour commencer à vivre dans ta vraie vie. Je vais te dire que pendant ce programme, c'est ce que ton étoile a dit que tu vas être. Ton amen ne me dérange. Amen. Je dis c'est ce que ton étoile dit que tu vas posséder. Amen. C'est ce que ton étoile dit que tu vas expérimenter. Amen. C'est là où ton étoile t'amène que tu vas partir. Amen. Je te sors de la prison familiale et je t'amène dans ta destinée. Amen. Je te sors de l'esclavage et je t'amène dans ta gloire. Amen. Je te sors de l'humiliation et je t'amène dans ta grandeur. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Donne-moi un amen, je veux prêcher. Amen. Donne-moi un amen, je veux évoluer. Amen. Quand tu es en prison spirituelle, when you're in spiritual jail, la prison t'impose une vie qui n'est pas ta vie. It imposes your life that is not yours. Tu sais que ce n'est pas ta vie, mais tu es quand même là. You are there, but you know it's not tu your sais life. Que ce n'est pas ton niveau, mais tu es quand même là. It's not your level, but you are there. Il y a un frère qui est connecté sur
On l'a vendu dans la famille paternelle. Sa mère est aux États-Unis, était aux États-Unis avec lui. Il est américain. Mais les esprits de la famille paternelle l'ont attiré jusqu'au Cameroun. Les esprits là l'ont attiré jusqu'au Cameroun. Sa mère a tout fait pour qu'il rentre. Impossible. Elle a prié, elle a vu les pasteurs, tout rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'étoile du gars était déjà emprisonnée depuis le Cameroun. Son passeport américain, il faisait n'importe quoi avec. Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, on l'avait déjà envoûté. Écoute-moi, quand ton étoile brille à une dimension élevée, et que tu te plais dans les porcheries, tu te plais dans la saleté, tu te plais dans l'humiliation, laisse-moi te dire, tu as besoin de délivrance. Yes. Le fils prodigue, le fils prodigue est héritier. Son père est roi. Son père est milliardaire. Son père est puissant. Il dit à son père, donne-moi ma part d'héritage et je veux partir. Et son père lui a donné, il est parti. Son argent est fini. Son héritage est fini. Il a commencé à être un mercenaire. Il a commencé à être serviteur. Au point où il mangeait avec les porcs. Quand tu es possédé et quand ton étoile est trafiquée, tu oublies que tu dois manger sur les tables élevées. Yes. Et tu te plais à manger dans les cafétérias. Il y a des gens dans l'église. Toi-même, parfois, c'est quand tu revois la photo que tu réalises que toi-même, tu as fait fort. Avec qui tu es parti sortir comme ça. Fais comme ça, Dieu te délivre. Fais comme ça, Dieu te délivre. Fais comme ça, le Seigneur te délivre. Fais comme ça, le Seigneur te délivre. Fais comme ça, Dieu te délivre. Parfois, c'est quand tu regardes la photo, tu dis, hey, Tabitha, tu as fait fort. Eliano, tu as fait fort. Quand tu es content, ton étoile est trafiquée, tu te retrouves dans les affaires bizarres. Le matelas où tu dors là, que Dieu ouvre tes yeux pour voir dans quoi tu es. Si tes yeux s'ouvrent, il te lève aussi en même temps. Le Seigneur te change de place au nom de Jésus. Le Seigneur change ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen, j'ai envie de prêcher. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Quand ton étoile est trafiquée, tu es toi-même, quand tu te réveilles, tu es choqué. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui m'achève la qualité-ci. C'est moi qui partais à la qualité d'endroit-ci. Ton étoile brille à un niveau. Mais la prison spirituelle dans laquelle on t'a mis t'amène à un autre niveau. La Bible dit que revenu en lui-même, le fils prodigue s'est dit. La phrase qui m'intéresse, c'est que revenu en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était plus en lui-même. Un esprit l'avait déjà possédé. Pour lui imposer une vie qui n'était pas sa vie. Vous allez m'excuser. Je ne suis pas mis avec vos pasteurs. Mais je crois fermement une chose. Tout le monde ne peut pas aimer la misère. Tout le monde ne peut pas être à l'aise dans la galère. Le temps de galère est un petit temps. Et le temps de gloire est beaucoup. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec mon pasteur. Yes. Mais je crois que mon Dieu est un Dieu de gloire. Amen. Un Dieu de grandeur. Amen. Un Dieu de richesse. Amen. Un Dieu de bénédiction. Amen. Tu ne peux pas me convaincre. You cannot convince me. Je crois qu'il y a des gens ici. I mean, there are people here. Dans ton sang, in your blood. C'est écrit richesse, richesse, really richesse, wealth, richesse, wealth, richesse, wealth, richesse, wealth, richesse, wealth, richesse. Wealth. Amen. La sœur s'était déjà habituée avec ses miomes. Mais Dieu n'était pas d'accord. Yes. Elle était habituée avec ses miomes. Yes. Mais Dieu n'était pas d'accord. Yes. Il a fallu qu'elle vienne ici. Elle a quitté l'église de Yaoundé. Ici à Douala. Elle est partie dans une autre église. On l'a même consacrée là-bas. Hey. C'est quand je suis revenu il y a quelques semaines. Je parle des premiers-nés. Elle pose la question dans le direct. Est-ce que le père est à Douala? Yes. On lui dit qu'il est à Douala. Ah. C'est là qu'elle revient en lui-même que j'étais dans quoi comme ça. Mm. Écoute-moi bien. Dans la vie, quand Dieu veut te faire passer de la pauvreté vers la richesse, il te connecte à quelqu'un qui va te réveiller. Il te connecte à quelqu'un qui va te réveiller. Il te connecte à quelqu'un qui va te réveiller. Je suis venu te réveiller ce soir. Je suis venu te réveiller ce soir. Je parle à ton âme. La galère là n'est pas normale. La maladie là n'est pas normale. Le blocage là n'est pas normal. Le célibat là n'est pas normal. Je suis venu te réveiller. Je suis venu te réveiller. Ça ne va pas finir comme ça a commencé. Mon Dieu change ta vie. La Bible déclare, le fer aiguise le fer.
Je vais réveiller les étoiles. Vous allez briller cette année. Vous allez briller cette année. Vous allez briller cette année. Au nom de Jésus. Yes. Quand tu viens me voir dans cette église, fais ce que je dis. Yes. J'ai dit ce jour-là, ceux qui sont sages, prenez même deux bouteilles. Il y a des gens qui disaient encore le type si et ses affaires d'argent. Mon ami, l'opération. L'opération. C'était centaines de mille. Yes. La bouteille, 500. 500. Écoute-moi. Listen. Tu n'es pas plus sage que l'onction. Yes. Tes petits calculs que tu fais là ne vont t'amener nulle part. Yes. Quand tu arrives dans le ministère chapelle de la grâce, que tu sois content ou fâché, Dieu te guérit, te délivre et te bénit. La Bible dit que le fils prodigue revenu en lui-même se dit. Donc il était où? Where was he? Luc chapitre 15 verset 17. Étant rentré en lui-même. Écoute-moi. Listen. On va dire que tu es orgueilleux dans ta famille, je m'en fous. They say yes. You are proud in your family. I don't Écoute-moi. Care. Listen. Tu vas maudire la pauvreté. You will cause poverty. Tu vas maudire les dettes. You will cause tu vas maudire les maladies. You will cause tu vas maudire l'échec. You will cause tu vas maudire la souffrance. You will cause tu vas maudire la galère. You will cause tu vas maudire les problèmes. You will cause problems. Yes. Si tu veux garder tes problèmes, il y a des pasteurs qui vont t'encourager dans ça. You want to keep your problems. Moi, mon Jésus apporte la solution aux problèmes. Chaque fois que je vois quelqu'un qui a des problèmes devant moi, je souris d'abord. Yes. Parce que Dieu m'a déjà écouté au moins 4 raisons pour lesquelles je sais que Dieu va te bénir. Numéro 1. J'ai lu dans la Bible qui bénit les gens. I read yes. The blessed people in the Bible. Numéro 2. J'ai écouté les témoignages des gens que Dieu a bénis. Yes. Numéro 3. Number 3. Dieu m'a béni aussi. God blessed me. Numéro 4. Number 4. Il m'a dit que par moi, il va aussi bénir d'autres personnes. Yes. Donc j'ai au moins 4 raisons qui me prouvent que comme tu es ici, ta vie va changer. Oh, ton amen me lève. Ta vie va changer. Je dis ta vie va changer. Yes. Dans la fête de Dieu, tu ne peux pas copier. Chacun son alliance. Dans notre alliance, il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a la bénédiction. Non, je n'ai pas copié quelqu'un, c'est dans notre alliance. Ce jour, on n'a pas fait culte spécial. Pulvériser les gens qui étaient dans son ventre, c'est sorti. Amen. Cet esprit de pauvreté là te libère ce soir. Cet esprit de dette là te libère ce soir. Cet esprit de célibat là te libère ce soir. Cet esprit de blocage te libère ce soir. Donne-moi un amen bien. Amen. Yes. On dit que le son n'est pas bon. Est-ce qu'on vérifie que le son est bon là-bas? C'est bon? On a un bon son? Parce que j'ai trop de gens à l'étranger qui doivent écouter la parole si. Parce qu'ils paient la dîme en euros. They pay the tithe in euro. Hey. Si le son est bon, vous qui êtes en France et partout, signalez. Beaucoup ici ne paient même pas encore la dîme, donc je suis même pas obligé. Je ne suis même pas obligé de trop prêcher pour eux. Vous me dépassez dans votre église ici. Hein? Les gens ne payent pas la dîme, ils ne font pas les sacrifices. Alors le son n'est pas bon. Arrangez-moi le son, s'il vous plaît. Arrangez-moi le son. Si le son est bon, vous dites, voilà, ça grisaille, ça grisille. Ça pied. Les gros mots, ça grisaille, ça grisaille, tout ça.
Alléluia. Praise the Lord. Le frère est américain. The brother is American. Mais il refuse de rentrer chez lui. He refuses to go back home. Tu sais quoi? Do you know what? Je lui ai dit, I told par him, force, by force, je te renvoie aux États-Unis. I send you back to USA. Je cause avec sa mère, me dit, papa, j'ai à tout faire. I did all. Il dit que tu as rencontré tes amis pasteurs, tu n'as pas rencontré révérend Paul Zan. Yes. Yes. Écoutez, listen. Comme vous avez 1000 pasteurs qui prient pour vous, ne me mélangez pas. Hein. Do not mix me up. Je vous préviens. I warn you. Je lui ai dit, lui là, je lui ai dit, monsieur numéro 1, je t'entends, tu habites chez moi désormais. Yes. Ce sont mes voitures qui l'ont amené à l'aéroport par force. Il y a une dimension, quand le démon dérange, avec les mains, on le gère. Yes. Même par force, tu vas devenir riche. Amen. Même par force, tu vas bâtir ta maison. Amen. Même par force, ton entreprise va marcher. Amen. Même par force, tu vas te marier. Amen. Même par force, tu vas prospérer. Amen. Il est rentré aux États-Unis. He went back in USA. Et maintenant, il vit bien. Now he's living. Yes. Il est rentré dans sa vraie vie, là où son étoile brillait. Yes. Écoute-moi. Listen. Si ton étoile brille dans un autre pays, cette année tu pars. If your star shine, je m'en fous de comment ça va se passer. Mais je dis, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars. Amen. Ruth était dans un mariage. Ruth was in marriage. Elle supportait le mariage. She was supporting the marriage. Mais ce n'était pas là son étoile. It was not a star. Écoute-moi bien. Listen well. Il y a des bénédictions. You are blessing. Qui sont pour les autres, ce n'est pas ta bénédiction. For others, but not for you. C'est pour ça que dans l'affaire d'étoile, ne vous comparez pas aux gens. Do not compare to others in the tu vois quelqu'un of... avec sa petite voiture, tu l'envies. Dieu retarde ta part parce que pour toi, c'est gros, 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 gros. Tu vois quelqu'un avec sa petite maison, tu le convoites. Dieu retarde ta maison parce que ta part, c'est qu'à un niveau. Amen. Tu vois quelqu'un avec sa petite église, tu l'envies. Hey. Parce qu'alors que Dieu te prépare une cathédrale. Yes. Laisse-moi te dire, ton étoile n'est pas l'étoile de ta camarade. Jamais. Ton étoile n'est pas l'étoile de ta cousine. Jamais. Ne te compare pas aux gens. Jamais. Ne te compare pas aux autres. Yes. Ce que ton étoile dit n'a rien à voir avec ce que les autres font. Amen. Ruth, Ruth, sa vie a commencé bizarrement. Sa vie a commencé difficilement. Mais un jour, Dieu conduit ses pieds à aller vers sa vraie bénédiction. Écoute-moi bien. Well. Il y a une dimension dans ta vie que tu ne peux jamais atteindre si tes pieds là ne marchent pas. Toi sur les pieds, tu peux avoir le projet de Dieu dans ta vie, mais tes pieds ne t'amènent pas là où tu dois aller. Dieu a délivré Israël de l'Égypte, mais Josué devait les amener à Canaan. Une personne délivrée n'est pas forcément bénie. Une personne délivrée, pour qu'elle soit bénie, doit aller dans son lieu de bénédiction. Yes. Il y a un lieu sur cette terre qui est ton lieu de bénédiction. Il y a un lieu sur cette terre où tu peux te marier. Il y a un lieu sur cette terre où tu peux construire ta maison. Il y a un lieu sur cette terre où tu peux sourire. Il y a un lieu sur cette terre où ta vie peut marcher. Je dis, Dieu conduit tes pieds là-bas. Dieu conduit tes pieds là-bas. J'entends Dieu me dire, Dieu t'amène quelque part. Il t'enrichit là-bas. Tu viendras investir à Douala. Tu viendras investir au Cameroun. Tu prendras l'argent des Américains et tu vas amener ça au Cameroun. Tu prendras l'argent des Français. Tu vas amener ça au Cameroun. Dieu t'amène en France et il te ramène au Cameroun. Dieu t'amène en Hongrie et il te ramène au Cameroun. Dieu t'amènera au Canada. Tu auras la richesse là-bas. Il te ramène au Cameroun. Je prophétise. Yes. Tes pieds vont te conduire là où coule le lait et le miel. Amen. Tes pieds vont te conduire là où tu pourras prospérer. Amen. Tes pieds vont te conduire là où tu pourras évoluer. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen.
Ruth était belle. Ruth was beautiful. Mais ça ne suffisait pas. It was not enough. Il fallait que ses pieds la conduisent là où il y avait Boaz. Écoute-moi bien. Well. Il y a des personnes. Tant que tu ne les rencontres pas, ta vie ne va jamais changer. Il y a des choses que tu demandes à Dieu au ciel. C'est dans les mains de quelqu'un sur la terre. Et cette personne va te donner cela quand tu vas les rencontrer. Je provoque des rencontres prophétiques. Je provoque des rencontres prophétiques. Pendant un voyage, tu vas rencontrer un ministre. L'amitié va commencer. C'est là où ta vie va commencer à changer. Celui qui peut signer ton dossier, tu vas le rencontrer. Celui qui peut donner le travail à tes enfants, celui qui peut aider les membres de ta famille, celui qui peut t'aider à avoir le visa, celui qui peut t'aider à avoir le voyage, celui qui peut t'aider à travailler aux Nations Unies, je dis tu vas le rencontrer. Je parle à tes pieds. Tes pieds vont t'amener dans ta bénédiction. Tes pieds vont t'amener dans ta gloire. Tes pieds vont t'amener dans ta grandeur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Un dernier amen. Assieds-toi. Yes. À l'entrée du temple. À l'entrée du temple. Acte chapitre 3. La Bible dit qu'il y avait un paralytique. Il commandait l'argent. Il n'était pas bête. Mais il n'était pas laid. Il n'était pas idiot. Il avait un seul problème. Il n'avait pas les pieds. Beaucoup d'enfants de Dieu, votre problème n'est pas que vous ne réfléchissez pas. Votre problème n'est pas que vous n'avez pas les projets. Votre problème n'est pas que vous n'avez pas les ambitions. Mais vos pieds ne peuvent pas vous amener vers la première dame. Je provoque la rencontre là. Tu vas rencontrer la première dame. Elle va changer ta vie. Tu vas rencontrer un ministre. Il va changer ta vie. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un quoi amen. Yes. Il y a des rencontres quand tu les fais. Une seule fois. Just once. Ta vie change. Your life changes. Yes. Et au moins 20 générations de ta famille sont bien. Your family are good. Le paralytique est mendiant, pas parce qu'il veut, c'est parce qu'il n'a pas les pieds. He's a beggar because he has no feet. Et Pierre entre. Il s'arrête, il revient. Peter comes back. Il dit à Pierre, je veux comme les autres, donne-moi. Give me et Pierre lui dit, Peter says, je n'ai ni argent. I have no money. Je n'ai ni or. Neither. Il commence par l'argent. He starts by money. Niveau 1. Level one. Je n'ai ni or. Niveau 2. Ce que j'ai, c'est le niveau 3. Level 3. C'est l'onction. Anointing. Yes. Il n'a pas dit je n'ai ni or ni argent. Il a dit d'abord je n'ai ni argent. He said, I have neither money. Parce que l'argent, because money, c'est le niveau 1. Is the level une one. Personne qui a l'argent est au niveau 1. Level une personne one. Qui a l'or someone est au niveau 2. Une two. Personne qui a l'onction est au niveau 3. Yes. Ce soir, tonight, je n'ai pas l'argent à te donner. I don't have money to give. Je n'ai même pas l'or à te donner. Mais j'ai une onction pour faire briller ton étoile. J'ai une onction pour faire briller ton étoile. J'ai une onction pour faire briller ton étoile. Ton étoile va briller cette année. Ton étoile va briller cette année. Ton étoile va briller cette année. Ce que j'ai lu, moi ça. À partir du verset 6, alors Pierre lui dit. Pierre lui dit. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni argent. Dis un. Dis un. Je n'ai ni argent, dit un. I have neither money. Oui. Ni or. Ni or, dit deux. No deux. Gold. Écoute-moi. Listen. Quand quelqu'un ne peut pas donner l'argent, when someone cannot give money, il ne donne pas l'or. He's not giving you gold. Tu as l'impression que ta vie est finie. You impress your life is finished. C'est comme ça que tu es arrivé ici. It's how you came here. Je mélange tous tes problèmes. I mix up all your problems. Et je déclare. And I declare. La solution arrive ici. Amen. Le Dieu de Paul Zang te donne la solution. Le Dieu du révérend Paul Zang t'apporte la solution. Écoute-moi. Les gens qui se sont moqués de toi vont t'acclamer. Bizarre. Les serpents et les scorpions. Yes. Deux animaux qui ont des venins mortels. Le premier mort par la bouche, le scorpion mort par la queue.
Le serpent te mord. The snake bites you. Avec sa bouche. With his mouth. Ce sont ces personnes qui te sabotent. Those people are the ones slandering qui souhaitent ton malheur. That wish your evil. Qui te maudissent. They curse you. Mais les scorpions sont plus dangereux. Ce sont les faux amis. Ils t'embrassent. Ils te font bisous. Ils te font des câlins. Mais sa queue, est dangereuse. Je lève ma main vers le ciel. Tous les scorpions dans ta vie, je les frappe. Tous les scorpions dans ta vie, je les frappe. Tous les scorpions dans ta vie, je les frappe. Je prophétise et je déclare. Tout faux ami, toute fausse copine qui est un scorpion est frappé ce soir. Toutes les personnes qui rient avec toi en journée, mais qui te sabotent le soir, qui rient avec toi en face, mais te sabotent sur WhatsApp, est frappé au nom de Jésus. Assieds-toi. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Écoute-moi. Listen. Ruth a marché. Ruth walked. Elle a rencontré Boaz. Encounter Boaz. Il y a des bénédictions. Hein. There are blessings. Il faut marcher pour les rencontrer. You must walk to encounter them. Je connais l'histoire d'une fille. Elle aimait aller rester dans un restaurant à Bastos. Go in a restaurant at Bastos. Et les serveuses se moquaient d'elle. Servants were mocking at her. On disait qu'elle était une attaquante. She was an attaquant. Et tellement elle venait au restaurant. She used to come to that restaurant. Que les gens, les serveuses. So much that servants. Elles buvaient un petit jus, comme le petit jus coûtait 3000. She was drinking a little juice of 3000. Elles buvaient le petit jus là de 16 à 21h. She was drinking from 4 to 9 p.m. Il y a les anciens ici, vous connaissez de quoi je parle. Some people here know what I'm talking about. Mais elle savait ce qu'elle cherchait. But she knew what she was looking for. Un jour, one day, le patron du restaurant, the boss of the restaurant, l'a remarqué. Noticed her. Un peu, un peu. A little, little. Un peu, un peu, un peu. A little bit. Un peu, un peu, un peu, un peu. A little bit. Ils se sont mariés. They got married. Yes! Elle est devenue la patronne des serveuses. She became the boss of those girls. C'est fort. Je te donne un conseil avant de prier ce soir. I give you an advice before praying tonight. Quand tu cherches ta vie, when you are seeking your life, ne regarde pas ceux qui se moquent de toi. Do not look at those who mock at you. Plusieurs parmi ceux qui se moquent de toi, tu vas les nourrir. Many of those who mock at you, you will feed them. Les frères de Joseph, brothers of Joseph qui se sont moqués de ses rêves, who mocked at his dream, ont mangé la nourriture de Joseph. They ate the food of Joseph. Oh, tu es dans vos affaires des églises là. Your mother of church, vos affaires des faux pasteurs là. Fake pastors. Quand tu sais ce que tu cherches, when you know what you are looking for, continue tes prières. Keep on praying. Yes. Il ne part pas dans les églises. He's not going to church. C'est un bon petit franc-maçon. He's a Freemason. C'est un bon petit rosicrucien. He's a Rosicrucian. Personne ne peut le décourager dans ses affaires. No one can discourage him in his business. Toi qui crois en Jésus, will you believe in que Jesus? Personne ne te décourage. Let no one discourage yes. you. Tu peux te moquer d'un franc-maçon, il arrête de partir. You can mock at the franc-maçon, he stop going. Mais dès que toi on a un peu mal parlé de ton pasteur, tu as honte. Écoute-moi. Listen to me. Moi, je n'ai pas honte. I am not ashamed. Yes. Mon problème, my problem, c'est que tu deviens riche. It's for you to become rich. On va faire l'équipe des riches. We make yes. the team of rich. On m'insulte, on t'insulte. Yes. Mais à la fin, on est riche quand même. At the end, we are rich. C'est la finalité qui compte. It's the final yes. that counts. Une sorcière comme ça, mais tu prends ton billet première classe, tu pars à Washington passer les vacances. Yes. You take your first class. Un faux pasteur comme ça, mais tu mets, je voyage. Allez, écoute-moi. Listen to me. Quand ton étoile doit briller, when your star must shine, tu vas aller you will go dans des endroits in places de ta bénédiction. Of your blessing. Mais là-bas, but there, des sorciers wizards vont parler mal, will slam vont intriguer, you. Vont saboter, vont maudire. Mais n'oublie pas, but never forget, il dit, je vous ai donné le pouvoir I gave you the power de marcher to walk on, pour écraser. To crush. Yes.
ton étoile brille when your star shines, et que tes pieds ne sont pas prêts, and your feet are not ready, on va te racler. Hey. On va te déstabiliser. They will destabilize you. On va te renverser. They Mais quand you. Ton étoile brille yes. et que tes pieds sont prêts, and your feet are quand ready. Tu arrives quelque part, when you reach somewhere, quelqu'un va te pousser, yes. tu poses le pied. You put the foot. On veut gâter ta relation. They want to spoil your relationship. On veut tuer ton enfant. They want to kill your child. On veut détruire ton entreprise. They want to destroy your company. Je dis, Dieu fortifie tes pieds ce soir. Le Seigneur ouvre tes pieds ce soir. Le Seigneur touche tes pieds ce soir. Yes. On a des mamans à l'église. We have mothers in church. Vous avez la volonté. You have will. Mais vous êtes trop fébrile. But you are weak. Un peu, un peu. A little bit. On a déjà donné la maladie à ton enfant. They gave disease to your un peu, child. Un peu. A little bit. On a gâté les fiançailles de ton enfant. The spoil, the engagement Parce que of tes your child. Pieds ne sont pas solides. Because your feet are not solid. Tout le monde peut se lever. Everyone can stand. Il souhaite ton malheur. Wish your evil. Et le malheur arrive. And it comes. Tout le monde peut se lever. Everyone can stand. Il maudit tes affaires. Curse your business. Ton entreprise de ferme. Your company Parce que tes pieds ne sont pas solides. Because your feet are not solid. Les pieds servent à marcher. Feet are to walk. Les pieds servent à avancer. They used to Les go pieds ahead. Servent à se tenir debout. To stand. Les pieds servent à sauter. Yes. Dieu te donne des pieds ce soir. Dieu nettoie tes pieds ce soir. Dieu remplit d'onction tes pieds ce soir. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tout lieu, il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Every place you set your feet, je te donne ce lieu en possession. I give it in possession to Donc, you. Tout lieu, partout tes pieds arrivent, Everywhere you set your tu feet, domines. You dominate. Yes. Jésus a dit à Pierre, Jesus said unto Peter, on va continuer demain. We'll continue Jésus tomorrow. A dit à Pierre, Jesus said to Peter, même si tu es humble comment, no matter how you are humble, je ne quitte pas la terre sans te laver les pieds. I will not leave the earth yes. without washing your feet. Le lavement des pieds n'est pas un symbole d'humilité. Feet washing is not a symbol C'est un acte humility. Prophétique de préparation. But a prophetic yes. action of preparation. Pourquoi? Why? Il dit à Pierre, Say to Peter, toute personne qui se lave est propre, mais les pieds demeurent sales. Any person wash is clean, but Parce que quand le corps est propre, comme tu vas marcher, les pieds vont encore se salir. The feet will get dirty. Plusieurs ici ont eu l'onction, Many here had anointing. La grâce, Grace. Les opportunités. Opportunities. Mais quand vous traversez le carrefour, When you cross crossroads, à 3 heures, ils ont jeté les objets. At 3 a.m. that Quand vous partez au bureau, When you go to à l'entrée, ils ont jeté les fétiches. At the inside, they are fetish. C'est la raison pour laquelle pendant toute la semaine, on va laver les pieds. Then yes. we wash the feet. Pendant 3 jours, on va laver les pieds. During 3 days, yes. we wash the feet. Numéro 1. Number 1. On va laver les pieds. We wash the feet. Pour chasser la mort. To chase away death. J'ai expliqué. I spent on Sunday. C'est pas les pieds que l'âme sort quand quelqu'un meurt. It's through the feet that the soul goes. C'est pour ça que les expérimentés savent que quand quelqu'un veut déjà mourir, si on touche les pieds, c'est glacé, ça veut dire que la mort n'est plus loin. When someone wants to death, the feet is Quand cold. On va laver tes pieds cette semaine ici, When we wash our feet this si week, on a jeté l'esprit de mort sur toi, if they throw the spirit ça retourne on à l'envoyeur. ça retourne à l'envoyeur. ça retourne à l'envoyeur. ça retourne à l'envoyeur. Numéro 2, on va laver tes pieds We wash your feet. Pour détruire tous les fétiches que tu as traversés. Yes. All the fetishes you crossed. Les cadenas que tu as traversés. The padlock you les calabasses que tu as traversés. The calabash you crossed. L'esprit de lenteur, de torture que tu as traversé. Yes. Numéro 3, Number on va laver tes pieds We wash pour your feet. Que tu possèdes tes richesses. Ce n'est pas les pieds It's true qu'on possède les richesses et les mains And te font bénéficier de la prospérité. Si tu n'as pas possédé par les pieds, tes mains ne peuvent pas compter l'argent. L'argent que tu vois sur tes mains vient de la possession que a tes pieds. Donc cette semaine, on va chasser la mort sur tes pieds. On va détruire les fétiches que tu as traversés. On va te faire posséder tes richesses. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un dernier amen. Mets-toi-moi à prier. Stand up, we are going to pray. Mets-toi debout à prier. C'est l'introduction. Hein? It's just the introduction. C'est l'introduction. The introduction. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God.
Dis Père au nom de Jésus. Que tout esprit de mort qui a attaqué mes pieds soit chassé pendant que je prie en claquant les mains. Tout esprit de mort qui a attaqué mes pieds soit chassé. Esprit de mort, 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 soit chassé pendant que je prie. Soit chassé. Pendant que je prie, sois chassé. Pendant que je prie, esprit de mort, sois chassé. Pendant que je prie, esprit de mort, sois chassé. Pendant que je prie, you are. Qui s'est attaché à mes pieds, esprit de mort, qui s'est attaché à mes pieds, sois chassé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout blocage, esprit de lenteur, esprit de non-accomplissement, esprit de misère, qui s'attaque à mes pieds, soit chassé pendant que je prie, en claquant les mains. Tout esprit de misère qui s'est attaqué à mes pieds, soit chassé pendant que je prie, en claquant les mains. Tout esprit de blocage qui s'est attaqué à mes pieds, qui s'est attaché à mes pieds, soit chassé pendant que je prie. Prie ce soir, chasse tout esprit de blocage qui s'est attaché à tes pieds, tout esprit de misère, de lenteur qui s'est attaché à tes pieds, chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen de bien. Amen. Dernier sujet de prière. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que la richesse, s'attache à mes pieds. Que la gloire s'attache à mes pieds. Que la grandeur s'attache à mes pieds. Que mon bonheur s'attache à mes pieds. Pendant que je prie, en claquant les mains. Oh Dieu, que le bonheur, que la grandeur, que la gloire s'attache à mes pieds pendant que je prie. Que le bonheur, que la richesse, la prospérité s'attache à mes pieds pendant que je prie. Pendant que je prie, en claquant les mains, en claquant les mains. Le bonheur, la richesse, la grandeur, la gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Lève tes chaussures, tu te mets debout. Alléluia. Libro Shakaya Damasenti. Alléluia. Lève tes mains. Est-ce que pour entendre l'église chanter Alléluia? Lève tes mains dans cette atmosphère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut élever la voix? Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix encore une fois? Alléluia. Encore une fois, à haute voix. Les hommes, les femmes, alléluia. C'est ça. Alléluia. 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 Disons allez, alléluia.
Kaya Raba Sente di Bukaya di Busa. Sukoya Raba Sente di Busa Kaya di Buya. Inde Arebu Kandi Rebu Siki Rebu Sakaya di Buya. Alleluia. Alleluia. Je déclare que pendant ces trois jours, mercredi, jeudi, vendredi, yes, que la mort qui s'était attachée à ta vie, passant par tes pieds, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne. Toute personne sous le son de ma voix, yes, attaquée par un esprit de mort, ah, je dis madame, yes, je déclare monsieur, ah, tu ne meurs pas. Amen. Tu n'enterres personne cette année. Amen. Parmi tous ceux qui sont encore vivants, même s'ils sont gravement malades, tu n'enterres personne. Tu n'enterres personne cette année. Amen. Je chasse la mort qui est sur tes pieds. Elle est chassée. Je chasse la mort qui est sur tes pieds. Elle est chassée. Je chasse la mort qui est sur tes pieds. Elle est chassée. Je déclare numéro 2. Yes. Pendant ces trois jours, ah, je prophétise, yes, et je déclare, ah, par la puissance de Dieu, yes, tout esprit de rejet, de retard, ah, de lenteur, de blocage, hey, que tu as piétiné, ah, je déclare toi l'envoyeur. Retour. La chose qu'on t'a fait traverser, retour à l'envoyeur. Retour. La chose qu'on a jetée sur le chemin, retour à l'envoyeur. La chose qu'on t'a jetée sur la route, retour à l'envoyeur. Je déclare la lenteur s'arrête. Amen. Les blocages s'arrêtent. Ça s'arrête. La pauvreté s'arrête. Ça s'arrête. L'humiliation s'arrête. Ça s'arrête. Le célibat s'arrête. Ça s'arrête. Je commande l'accélération. Accélération. La bénédiction. Accélération. Décollage. Accélération. Promotion. Accélération. Nomination. Accélération. Bénédiction. Accélération. Bénédiction. Accélération. Bénédiction. Accélération. Tes pieds vont entrer dans les palais. Amen. Je parle à tes pieds. Yes. Là où aucun membre de ta famille n'est entré, tu vas entrer. Amen. Est-ce que tu peux lever tes mains? Je vois exactement 16 personnes. 16 personnes. Là où aucun membre de ta famille n'est entré, tu vas entrer. Tu vois 16 personnes. Voici l'onction sur les pieds. Voici l'onction sur les pieds. Recevez. Voici l'onction sur les pieds. Recevez. Commence à recevoir. Recevez. À partir de tes pieds. Reçois. L'onction te localise. Reçois. Sur les pieds, sur les pieds. Reçois. Sur les pieds. Reçois. Tu vas partir de là où tu es. Reçois. Le Seigneur va t'amener loin. Yes. Le Seigneur va t'amener loin. Il t'amène. À partir de tes pieds. Il t'amène loin. Je coupe les chaînes. C'est brisé. Je coupe les chaînes. C'est coupé. Sur les pieds. C'est coupé. Sur les pieds. C'est coupé. Commence à monter. Monte. Commence à voyager. Voyage. Commence à aller, ah, dans les rendez-vous, yes, d'affaires, ah, de travail, vas-y, de financement, bah, de projet. Bah. Je te connecte, yes, aux bonnes personnes. Amen. J'amène jusqu'à toi, yes, fils de président, ah, ami de président, reçois conseiller les de président. Il vient jusqu'à toi. Je vois deux personnes ici. Deux personnes. Un conseiller de président va te chercher. Hey. Reçois l'onction là. Reçois. Power. Bah. Un conseiller de président va te faire du bien. Amen. Dans ce pays, yes, je prophétise, yes, quelqu'un viendra de loin. Ah. Il est conseiller de président. Yes. Il va t'aider. Amen. À rencontrer des chefs d'État. Reçois des chefs onction de gouvernement. Reçois cette onction. Reçois. À partir de tes pieds, reçois. Je déclare, yes, tes pieds vont entrer là où tu ne peux pas t'imaginer. Amen. Je prophétise et je déclare, yes, tu vas entrer là où personne de ta famille n'est entré. Amen. Là où ton père n'est pas entré, tu vas entrer. Amen. Là où ta mère n'est pas entrée, tu vas entrer. Là où tes frères ne sont pas entrés, tu vas entrer. Il y a deux personnes ici. Deux personnes. Après toi, les autres vont aussi entrer. Amen. Dieu passe par toi pour faire entrer les autres. Amen. Dieu passe par toi pour élever les autres. Amen. Dieu passe par toi pour aider les autres. Amen. Le Seigneur passe par toi pour financer les autres. Amen. Je dis ton étoile est l'étoile qui fait briller toute ta famille. Amen. Reçois la grâce là maintenant. Reçois la grâce là maintenant. Reçois, reçois la grâce là maintenant. Reçois, reçois la grâce là maintenant. Reçois.
toi. Tu vas briller pour tes frères. Amen. Tu vas briller pour tes soeurs. Tu vas briller pour tes parents. Tu vas briller pour des générations. Tu vas briller. Commence à briller. Brille. Commence à briller. Brille. Commence à briller. Brille. Ton étoile doit briller. Amen. Et ton étoile commence à briller. Ça brille. Personne ne va te manger. Personne. Personne ne va t'arrêter. Personne. Personne ne va te bloquer. Personne. Voici ta vie qui commence à briller. Ça, tes affaires commencent à briller. Ça brille. Tes projets commencent à briller. Ça brille. Je prie pour quelqu'un qui était découragé. Hey. Le Seigneur te prend par la main. Yes. Et il te fait monter. Tu montes. Le Seigneur te prend par la main. Yes. Et il te fait partir. Tu pars. Le Seigneur te prend par la main. Yes. Et il t'amène dans ton mariage. Amen. Dans ton mariage. Il t'amène. Dans ton mariage. Il t'amène. Dans ton mariage. Il t'amène. Dans ton mariage. Le Seigneur t'amène. Il y a 24 personnes ici. 24 personnes. Ta place n'est pas ici. Hey. Protocole, sois prêt. Yes. Il y a 24 personnes. 24 personnes. Ta place n'est pas ici. 24 personnes. Tu dois partir seulement. 24 personnes. Toujours en train de partir. Vous partez. Entre deux avions. Vous partez. Je parle de 24 personnes. 24 personnes. Puissance de Dieu. Amenez-les devant. Yes. 24 personnes. 24 personnes. Toujours en train de partir. 24 toujours en train de partir. 24 personnes. Puissance de Dieu. Touche-les. Localise-les. Localise. Une personne. Localise. Deux personnes. Localise. Aidez, oh my God. Localise. Reçois. 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 Les voyageurs. Recevez. Les voyageurs. Recevez. Les hommes d'affaires. Recevez. Les femmes d'affaires. Recevez. Les entrepreneurs. Recevez. Les femmes de Dieu. Recevez. Les hommes de Dieu. Recevez. Les femmes de Dieu. Recevez. Les prophétesses. Recevez. Les prophètes. Recevez. Les pasteurs. Recevez. Les milliardaires. Recevez. Onction de Dieu. Touche. Onction de Dieu. Localise. À partir de tes pieds. Localise. Je te vois toujours en train de voyager. Yes. Je prophétise. Yes. Ça commence cette année. Maintenant. Ça commence cette année. Ça commence. Ça commence cette année. Ça commence. C'est le feu sur les pieds. Le feu. 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 C'est le feu. Amen. Je commande aux 24 personnes. Yes. Partez. Partez. Je vous chasse de ce pays. Partez. Commencez à voyager. Partez. Vous êtes en France. Partez. Vous êtes aux États-Unis. Partez. Commencez les voyages. Partez. Voyage d'affaires. Voyager. De financement. Voyager. D'opportunités. Voyager. De travail. Voyager. Les voyages. Voyage. Pour sauver les âmes. Voyage. Pour parler de Jésus. Voyage. Pour guérir les malades. Voyage. Je déclare. Yes. Dans tes voyages d'affaires. Ah. Tu vas prêcher l'évangile dans les avions. Yes. Dieu va utiliser tes affaires ah. pour faire de toi évangéliste international. Amen. Je parle à trois personnes. L'onction descend sur toi. Ça descend. L'onction descend sur toi. Maintenant. Pendant tes voyages d'affaires, yes. tu vas sauver les âmes. Amen. Tu vas guérir les malades. Amen. Tu vas délivrer les possédés. Amen. L'onction sur tes pieds. Reçois. Ça touche tes mains. Yes. Ça touche tes mains. Ça touche. Ça touche tes mains. Ça touche. Ça touche tes mains. Reçois. 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 Alléluia. C'est le premier jour. Yes. Ce soir, le ciel est ouvert. Yes. Ton étoile brille. Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia. 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 Cette église. Merci Jésus. Assieds-toi. Merci Jésus. Merci Jésus.
forte présence de Dieu ici. Yes. Il y a des gens qui vont manifester jusqu'à la maison. Yes. Il y a une forte présence de Dieu ici. Tu auras les miracles ici. Yes. Uh-huh. Yes. Écoute, quand tu viens ici là cette semaine, attends-toi à recevoir un miracle. Amen. Il y a des gens ici qui auront des apparitions d'argent dans leur maison. Amen. C'est moi qui te dis, hein. Je ne te flatte pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.